Regardez là! Regardez comme elle m'attaque! Aïe! Elle m'a chopé! Oh bah voilà! Alors dans les cas comme ça, bah, il faut prendre de l'alcool. Moi ce que je fais, c'est que je prends de l'alcool. Non mais. Eh, sans déconner, regardez, regardez! Putain! Non, 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 non! Attendez, elle est en train de m'avaler le doigt là. Je vais enlever le micro et je vais essayer de me débarrasser de ça. C'est bon. Bon, j'ai eu de la chance, elle a lâché d'elle-même. Elle était en train d'essayer de m'avaler le doigt. Donc en fait, c'était pas une morsure tu me fais chier, dégage. C'était plutôt une morsure j'ai faim. Serpent en terrarium de préférence. Ah. Ah putain. Ah le con, il m'a mordu. Alors, regardez, ça a essayé de faire une constriction. Alors, aïe. Ah putain, il m'a pris sur un point sensible, ce con. Ah. Alors, attendez. Je vais essayer de prendre la tête. Putain, je m'y attendais pas. Il fait la constriction. Bon, bah, morsure d'antarésia avec une constriction. Alors là, il va pas chercher à lâcher. Je vais rester calme. On va mettre un petit peu donc de vinaigre blanc et on va voir ce qui se passe. Voilà. Elle a lâché de suite hein, parce que forcément ça lui a pas plu. Alors je tiens bien la tête. Je la déroule doucement, on va pas. Le but c'est de ne pas lui faire mal. Elle, ce qu'elle voulait, c'était manger, parce qu'elle a l'habitude dès qu'on ouvre de la nourrir. Donc hop là, on referme la boîte, on va la laisser se calmer. Au moins j'en ai profité pour vous la montrer. Ah, voilà. Donc là, je viens de me faire mordre parce qu'elle a senti le rat. Alors, elle a fait une constriction parce que pour elle, c'était une proie. Alors, plus je vais bouger et plus elle resserre l'étreinte. Donc, en fait, elle sent très bien le rythme cardiaque. Donc là, je suis un peu impulsif parce qu'en plus de ça, comme je me suis fait mordre, mon cœur bat un peu plus. Bien, prêt, bien, Thibaut. Comment tu vas? La pas encore. Impeccable. Parce qu'il est... peut être hargneux. Okay, on l'embête, donc c'est tout à fait normal. Attention à la tête. Tu vois? Ah ouais. On va le laisser. Donc là, il y a les deux entailles là. En fait, il y a deux dents qui sont passées. Bon, merci Sacrifice pour la vidéo en tout cas. Bon, à travers les gants. Donc c'est des gants que j'ai utilisés qui sont quand même très épais avec fourrure à l'intérieur. Pour l'instant ça va et on va voir comment elle se comporte par la suite. Ah voilà. Alors là, t'as pas vu la morsure, mais elle s'est effectuée dans la boîte quand j'étais en train de la remettre. Alors voilà, là elle a lâché. Et du coup ça saigne au taquet. On va essayer de regarder de plus près. Et voilà tout le monde, si cette vidéo vous a plu, vous pouvez mettre toujours un petit pouce bleu, un petit partage, ça fait toujours plaisir. Et je te dis à très vite pour une nouvelle aventure. Allez tout le monde, ciao ciao !